ça fait que d'autres même font passer des vidéos. Seigneur, je vais pas être long, mais je pense que mon message est compris. Je sais pas m'exprimer, mais j'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Et la jeunesse, surtout vous, les jeunes là, que tu sois Tabana, que tu sois Guéré, Yakuba, Tantin et tout, tu n'es pas content par rapport à une situation, sors, allez marcher. Arrêtez de vous affronter. Parce qu'on a bien fouillé même là. Hein? On est liés. On est liés. Arrêtez de vous entretuer. Arrêtez de vous entretuer, Joe. Les marches que vous faites là, quand vous finissez, vous êtes assis à la maison. Quand tu sais que tu as découpé un de tes frères. Quand tu sais que tu as fait couler le sang. Oui, tu as quoi? Tu as quoi en retour? Tu es content? Est-ce que ça veut dire que parce que tu as tué quelqu'un, tu as découpé quelqu'un à la machette, ça veut dire que ton candidat là, il va gagner? Arrêtez un peu. S'il vous plaît, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Allez-y marcher, oui. C'est normal, c'est votre droit. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à une situation. On sort, on marche. Chacun a le droit de s'exprimer. Mais pas avec la machette. Pas avec les armes qu'on vous donne. Ils vous donnent même 200 000 aujourd'hui. Ils vont vous donner 200 000. D'accord? Pour aller faire des trucs, pour aller attaquer vos frères. Quand vous finissez là, 200 000 là, ça, vous, de vous à moi, 200 000, ça fait combien de jours avec vous? Hmm? À chaque fois que vous faites les palabres, vous vous découpez, vous faites des trucs. Vous finissez là, à la fin là. Quand celui qui gagne, il est là là. Qui vous calcule? Dites-moi, on paye maison pour vos mamans qui sont à la maison? Est-ce qu'on paye maison pour vos parents? Est-ce qu'on calcule même vos mamans? Pensez à vos mères, parce que c'est elles qui souffrent. Et je vais vous dire, les magasins que vous cassez, tout ce que vous cassez, c'est le magasin de vos mamans. Arrêtez de casser les trucs. Arrêtez de brûler les trucs. Arrêtez de vous découper à la machette. Et je le dis haut et fort, les politiciens de ce pays ne méritent pas que vous, la jeunesse, vous vous découpez. Je le dis et j'assume. Arrêtez de vous entretuer. Le sang a trop coulé maintenant. C'est bon. C'est bon, arrêtez, ils s'en foutent de vos vies. Voilà, moi j'ai dit ça, et puis j'assume. Ils vont vous envoyer, vous finissez de vous entretuer. Ils sont dans les climatiseurs, ils sont à l'aise, c'est ça. Et je ne pense même pas qu'ils vous envoient pour que vous vous entretuiez. Allez-y marcher, vous finissez de marcher, vous revendiquez. Tant que vous n'avez pas eu gain de cause, vous discutez. Je ne sais pas, trouvez une autre solution, mais arrêtez de vous entrecouper. Moi, j'en ai marre de voir des vidéos où des gens s'entredéchirent, ils sont en train de se découper à la machette. Ou bien ils vont casser les magasins de nos mamans. Moi, je suis là, je reçois plein de messages de certaines mères qui demandent, il ne serait que 200 000 pour faire fonds de commerce. Donc, elles ont ça, elles commencent à gris-gras, faire leur magasin, parce que genre, elles sont de la même région qu'un politicien. Donc, elle a son magasin, vous allez vous casser ça. Hein? On peut s'appeler Fofana, il peut y avoir deux Fofana, mais pas dans le même parti politique. Arrêtez de penser que les Djoulas sont contre les Guérés, les Guérés sont contre les Djoulas, les Yakoubas sont ceci, cela. Oh, arrêtez à un moment donné. Ils s'en foutent de vos vies. Arrêtez de vous entretuer. Voilà. Parce qu'ils sont présidents ou bien ils sont ministres après là. Dites-moi. Ils font quoi pour vous? Ils font quoi pour vous? J'ai fini de parler. On m'a dit de ne pas faire la vidéo là. Hein. Mais excusez-moi, je ne pouvais pas ne pas la faire. D'accord? J'en ai marre. Je me réveille le matin, je vais sur Facebook, je vois des morts. Des magasins brûlés. Arrêtez un peu, les gars. Arrêtez. D'accord? Vous souffrez. Vous souffrez. D'autres me sont en train de se chercher comment je vais faire pour mettre mes enfants à l'école, comment je vais faire pour faire plaisir à maman. Donc, quand il y a un mouvement, vous vous emballez dedans. Quand vous finissez, maintenant vous êtes assis. Je sais que chacun de nous a une conscience. Ça vous fatigue. Arrêtez de vous entretuer, les gars. Hein? Je suis jeune comme vous. Je vous dis, continuez à aller vous chercher. Arrêtez de vous entretuer. Ça mène à rien. Ça mène vraiment à rien. 200 000 vont te donner, t'as fini. Après, toi-même, tu as ta conscience. Tu sais que tu as tué un homme pour 200 000 ou bien pour 50 000. Arrêtez, la famille, arrêtez, arrêtez. D'accord? Il y a des Djoulas qui sont mariés à des Guérés. Il y a des Guérés qui sont mariés à des Sénoufos. Il y a des Sénoufos qui sont mariés à des Yakuba. Pensez à ça. Pensez à nos vieilles
que quand, genre, quand ça va se gâter, elles ne peuvent pas courir. Toi, tu as tes pieds, tu peux courir. Quand tu as pour faire mal à quelqu'un, tu as tes deux pieds, tu peux faire mal. Il y a foi. Mais pense à tes vieilles qui sont à la maison. Quand ça va se gâter, elles ne peuvent pas courir comme toi. Donc, elles vont prendre des pots cassés. Laissez les vieilles là, tu m'appelles, vieillir en paix. Elles sont là actuellement. Je sais que leur cœur en l'air comme ça. La guerre civile là, ça ne trie pas. Hein? Ça ne trie pas. Guerre civile, ça ne trie pas. Évitez ça. Évitez de dire, lui, les Yakuba, lui, les guerriers. Hey, on en a marre maintenant. Vous n'êtes pas fatigué de faire ça? Ça va me faire mal si je dis rien. Et ceux qui ne disent rien, qui sont là, qui voient, qui ne parlent pas, demain, ils vont faire des vidéos quand ça va se gâter. Quand ça va se gâter, c'est là, maintenant, vous allez dire, dès maintenant, en parler. Parce que tout ce qui est en train de se passer dans les villes où actuellement c'est chaud, là, franchement, intervenez, essayez de parler pour ne pas que ça devienne autre chose. Arrêtez de pousser les gens à la guerre civile. Arrêtez de pousser les gens à la guerre civile. D'accord? Faire partie, tu m'appelles, du même parti ne veut pas dire forcément que, voilà, on est de la même ethnie. Non. Non, non, non. Vous pouvez être de la même ethnie et ne pas être dans le même parti. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que l'autre est baoulé et il est chef d'un parti politique. C'est-à-dire que tous les baoulés, là, ils réfléchissent comme lui. C'est que ces idées-là, c'est les idées de tous les baoulés. Arrêtez. Arrêtez. On est là. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous fasse ça. Les gars, parlez un peu. Toi, tu as ton petit frère, tu as ton grand frère, tu as ton oncle, tu as ta soeur. Essayez de faire passer le message. D'accord? Je suis guéré là. Ça ne veut pas dire que ce que le guéré qui est dans un parti politique, qui est chef d'un parti politique, dit, je suis d'accord à 100% avec lui. Donc du coup, parce que je suis guéré, toi tu es Yakuba, tu n'es pas d'accord avec le guéré là, tu me croises, donc tu vas me frapper, ou bien tu vas casser mes magasins, tu vas casser mes voitures. Arrêtez de vous mettre en palabre. Djoula, Yakuba, guéré, arrêtez, arrêtez, parce qu'ils s'en foutent de vos vies. Putain, j'en ai marre. Au revoir. Arrêtez.